Allez, j'ai... Ça a mis vraiment le focus sur la Tunisie pendant un moment. Et donc, du coup, toute cette envie, tout ce monde de l'entrepreneuriat s'est vu vraiment être boosté avec des gens qui venaient d'étrangers, même en mode local. Même les investisseurs, ils étaient beaucoup plus en mode risque par rapport à aller tentant des choses, faisant des choses ensemble. Donc, ils croyaient beaucoup plus dans toutes les idées originales. C'est plus simple, même d'abord. On lance le jeu. C'était le 12 juillet 2013, c'était le premier jour de Ramadan. Il faut savoir que les Tunisiens regardent beaucoup la télé pendant le mois de Ramadan, donc on a profité vraiment de ça. Premier jour, 2000 joueurs. Dixième jour, on était à 20 000 joueurs connectés sur les serveurs en train de jouer, et c'était vraiment en mode crescendo, ça allait. Sauf que le dixième jour, c'était le 24 juillet 2013, 20 000 joueurs sur les serveurs. Le 25 juillet 2013, à 9h du matin, il y a eu l'assassinat de Mohamed Brahmi. Et à ce moment-là, on n'avait plus que 10 joueurs. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment une grosse stabilité politique pour qu'on puisse nous avancer en termes de business et rassurer. On fait de la prestation de service. Si on ne montre pas qu'on est dans un écosystème qui est tranquille, on ne va pas avoir les marchés. Si on veut lever des fonds, c'est la même chose. Il va avoir une responsabilité qui est magnifique, qui est celle de nous donner une vision, qui est celle de nous donner, ça va être le guide hein, d'une certaine manière, il ne va pas tout faire certainement, mais surtout c'est de donner une image, de donner quelque chose qui est symbolique, mais aussi un but à atteindre, là où est-ce qu'on peut aller pour donner de l'enthousiasme à tout le monde, pour vouloir construire et faire donc booster toute cette économie.